Nous sommes au Sénégal, où une méthode unique au monde est en cours. Une association pour le sourire d'un enfant, qui s'occupe des enfants en situation de conflit avec la loi, utilise un sport étonnant, magique, pour les aider à se réinsérer. Ce sport, c'est l'escrime. C'est à Thiès, à 70 km de Dakar, que j'ai rencontré Nelly Robin. Elle est à l'initiative de cette méthode inédite. Tout a commencé il y a 25 ans, quand j'ai découvert cette femme lors d'un documentaire que je faisais avec mon père sur les enfants des rues. Lundi 10 janvier 2000, il est 10 h du matin. Nous sommes en train de rouler vers la gare de Thiès. Des gamins ont en effet signalé à Nelly la présence d'un enfant qui traîne sur les voies ferrées. Wow. Hey, viens ici. Devant le conteneur. Va au conteneur, il y a des enfants. Ah. 25 ans plus tard, l'association et Nelly continuent leur combat et leur méthode donne des résultats qui dépassent toutes les espérances. Aujourd'hui, l'association a été appelée pour récupérer un enfant. Comment il vous a été confié cet enfant? En fait, là, en l'occurrence, c'est un enfant qui a été très probablement trouvé dans la rue par une personne qui l'a conduit à la police. La police l'a signalé au service de l'enfance du tribunal qui nous ont appelés pour nous le confier conformément à l'agrément que nous avons avec le ministère de la Justice depuis 1999. Cet enfant est conduit dans le foyer d'accueil qui existe depuis 30 ans. Il sera entièrement pris en charge par les éducateurs. Ok, super. Elle est Manuel. Papa. Papa Alpha. Aboyido. Il a été torturé, cet enfant. Il a été torturé, oui. Et c'est pas la première fois, hein. Parce qu'il y a des anciennes cicatrices. Il a été torturé par qui? Ça, je dis que par son frère. Moi, je me dis. On aime. Kéchiki. Sourd. Ah, Mahmoud. Il veut partir avec nous. Il veut partir. Regardez-moi. Je dis avec toi. Il veut partir avec moi, l'enfant. Thank you.
comptez de 2 à 2, de 0 à 20. Vous êtes dans l'association depuis combien de temps? 27 ans, depuis 1994, je suis ici au foyer. Et vous y faites quoi? Institutrice. Mais j'ai fait plus qu'enseigner. Bon, je suis là comme une maman qui essaie de combler le vide affectif qui manque aux enfants. Ils vont où? Ils vont se faire un peu beau là. Regarde comment ils sont. Je suis là comme une maman dans sa famille, avec ses enfants. Tout ce qu'une maman fait dans une maison, dans une famille, avec ses enfants, je le fais. Oui, je m'occupe de l'hygiène vestimentaire, corporelle, des chambres, tout, tout, tout. Et voici Madame Thiam qui est en train de contrecarrer Mbappé sur le terrain. L'association travaille aussi sur le terrain de foot de la ville, où de nombreux enfants se retrouvent chaque jour. La plupart sont des talibés. Ce sont des enfants confiés à des chefs religieux appelés marabouts. Autre personnage emblématique de l'association, c'est Jacques. Jacques travaille dans l'association depuis 30 ans. Il s'occupe des enfants talibés en étroite collaboration avec les marabouts dans différentes écoles coraniques. Ce sont les Daras. Avec le temps, il est devenu éducateur de la méthode escrime et justice réparatrice. Ça, c'est les enfants d'une Dara? Oui, ils sont à l'intérieur. Donc, je les ai amenés ce matin, voilà. Donc, je les retourne dans leur Dara, quoi. Avec combien à peu près? Bon, une cinquantaine. Hein. Passe avant, passe arrière, allongé, fente, allongé, fente, agarre, passe avant, passe arrière, allongé le bras, fente, agarre, première position. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Vous savez, actuellement dans le monde, il y a beaucoup de violences qui sont basées sur l'intolérance. L'ouverture de Tierno vis-à-vis de nous, vis-à-vis du travail avec Jacques, c'est un magnifique exemple. Et qu'on puisse dire aujourd'hui, dans notre monde, qu'il y a des lieux comme ça. C'est très important. Jacques, il est chrétien, c'est un secret pour personne. Tierno, il est musulman, c'est un secret pour personne. Mais c'est avant tout des hommes qui sont là pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils se rencontrent. Et je trouve que dans le monde actuel, c'est un message extrêmement important.
C'est quoi, Tcherno? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est la méthode de escritrice réparatrice. C'est quand même l'aboutissement de... de 9 ans de travail. C'est quoi? Eh bien, c'est la méthode escrime et justice réparatrice, écrite. Il y a tout l'exposé des principes de la méthode et c'est suivi de la description de 60 leçons qui sont développées avec les mineurs. Voilà. Super pro. Oui, c'est quand même... c'est une première pour l'association, hein. C'est aussi l'illustration de la qualité du partenariat avec l'administration pénitentiaire. Donc voilà, c'est un instant fort. Voilà. Bravo. L'ambassadeur de France a voulu se rendre au sein de la prison pour découvrir et tenter de comprendre cette méthode révolutionnaire. Comment l'escrime peut être aussi bénéfique pour les mineurs? Intrigué par cette méthode auprès des détenus, l'ambassadeur a voulu rencontrer le personnel pénitentiaire. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce programme et de ses succès. Il faut prendre la réinsertion, la prévention de la récidive. Depuis qu'ils ont commencé l'expérience avec la mort des caisses, quand ça va jusqu'au bout, ils n'ont jamais eu de retour négatif. Ça contribue véritablement à réduire ce qu'on appelle la récidive. Donc tous les jeunes qui ont participé à l'activité d'escrime, on peut dire que depuis lors, on ne les reçoit plus dans la prison. On intervient à la prison de Thiès depuis 1991. On a reconstruit la grande détention adulte en 1998, le premier quartier mineur. Ensuite, on a construit un second quartier mineur, plus VIP, on va dire. On avait créé le quartier femmes parce qu'au départ, la prison de Thiès n'était pas destinée à recevoir des femmes. Petit à petit, elles sont arrivées. Et donc, on avait aménagé un quartier femmes dans un magasin que vous aviez eu la gentillesse de mettre à notre disposition. Dernièrement, on a construit un quartier femmes en essayant de mettre en place un petit espace pour les femmes qui ont leur bébé, qui souvent ça pose des petites difficultés. Puis on est à la disposition de la MAC en fonction des besoins, hospitalisation, accouchement, enfin voilà, ce qui est nécessaire. Voilà. C'est vraiment une passionnée de la prison. Et à chaque fois que de besoin qu'on fait appel à elle, bon, elle n'hésite pas. Ce n'est ni la première. Et ça date bien avant, même moi. Moi, je peux même dire qu'elle maîtrise mieux que moi cette prison-là. On ne peut jamais assez la remercier. Si on a pu faire tout cela, c'est parce que l'administration pénitentiaire a ouvert ses portes. Mmh. Et que parvenir à construire ce niveau de collaboration, ça reflète la disponibilité de l'administration pénitentiaire et son souci de l'attention aux détenus. On vous invite à voyager, allez. Mais notre bus, c'est un bus ça va, je suis pas un peu... vous voyez, il n'est pas très en forme, sucre. Quoi. Oui, il s'est fait un plaisir de vous accueillir. Mais grand plaisir partagé, merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Allez, jeunes gens. Hop. Mon excellence, je vous amène avec le bus des mineurs. Exactement.
Ça te rappelle des souvenirs? Tu l'as fait souvent ce voyage? Oui. Sourire en tous les cas, ouais. Quand on parle, c'est des bons souvenirs. J'ai rencontré Fallou il y a 10 ans. Il était alors prisonnier et accusé d'association de malfaiteurs. Il a pratiqué l'escrime au sein de l'association et aujourd'hui, il s'en est sorti de manière admirable. Auparavant, quand je suis entré en prison, je me suis dit que maintenant c'est fini pour moi parce que je suis foutu. Mais en faisant l'escrime, quand j'ai gagné des compétitions, je me suis dit que mais pourquoi pas de faire ma vie normalement, sans autant, comme je peux le faire en escrime, donc je peux le faire dans ma vie. Et je me suis retrouvé. Ça fait quoi de refaire de l'escrime? Du plaisir. Oui, que beaucoup de plaisir et du souvenir. Et beaucoup de souvenirs, hein, avec mes anciens amis détenus. Oui, ils sont là. Voici Mbaye, Moudoufa. Ça t'a fait quoi l'escrime? L'escrime, ça m'a fait beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup amélioré. Ça m'a amélioré l'esprit. Ouais. Pourquoi ça t'a amélioré l'esprit, l'escrime? Parce qu'autrefois, je faisais n'importe quoi. Je m'énerve vite. Quand mes parents me parlent, je ne l'écoutais pas. Je faisais ce que je veux. Et j'ai entré en prison. J'ai commencé à faire l'escrime. Petit à petit, je commence à m'améliorer, avoir du respect envers les autres. Et avant, envers les autres, envers moi-même. Je me suis fait respecter par moi-même. Aucun enfant passé par ce programme n'a récidivé. Comment peut-on arriver à une telle efficacité et pourquoi l'escrime et non pas un autre sport? Ça fait très longtemps qu'on travaille avec les mineurs en détention et on s'est aperçu que ces jeunes arrivaient dans des situations de plus en plus complexes. Les garçons particulièrement accusés d'associations de malfaiteurs et puis les filles de plus en plus accusées d'infanticide et d'avortement. Et on s'est dit que pour ces jeunes, il fallait essayer de proposer quelque chose qui leur permettent de retrouver l'estime de soi, de contrôler aussi un petit peu leur colère et de reconstruire leur identité. Moi, j'avais observé dans des clubs d'escrime en France que des enfants qui étaient plus qu'hyperactifs, quelquefois très caractériel. Lorsqu'ils entraient sur une piste d'escrime, leur personnalité se transformait. C'est-à-dire, ils acceptaient les règles de l'escrime. Voilà. Marcher. Et quand les deux problématiques que j'évoquais tout à l'heure se sont posées, et que l'objectif c'était d'éviter la récidive, parce qu'on était sur des jeunes qui pouvaient avoir jusqu'à 7-8 récidives, et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que l'escrime, c'est une piste à explorer. Au début, quand même, tout comme mes autres collègues, hein, je crois que je ne suis pas seule. On était un peu réticents parce qu'on n'était pas informés. Il faut avouer que de prime abord, j'avais une inquiétude. Je me disais que comment peut-on pratiquer l'escrime à milieu carcéral, pensant que l'épée était dangereuse. Le fleuret. Je me disais, mais les gens là, ils peuvent se blesser avec ça, c'est énorme. Hein? Je n'avais pas compris. Mais quand j'ai fait l'escrime, j'ai vu que vraiment, personne ne peut se blesser avec ça. C'est là que j'ai compris, ah d'accord. Donc ça, ce n'est pas une arme, mais c'est un...
c'est quelque chose qu'on utilise pour faire le sport. Si vous voulez, l'escrime, c'est une histoire pour deux choses, entre l'être humain et l'arme. D'accord ? L'arme est tenue par la main, bien sûr le bras, et c'est le prolongement de mon esprit. C'est toi qui contrôles l'arme. Et quand tu es conscient de contrôler l'arme, tu peux te contrôler en soi-même. Tu peux te contrôler toi-même. Ouais. Tu peux te contrôler toi-même. Ce qu'il faut préciser, c'est que la pratique de l'escrime, y compris pour les mineurs en détention, dans cette méthode, s'effectue à l'extérieur de la prison. Nous, au début, on a souhaité cela parce qu'on restait attachés au fait que, normalement, selon les droits de l'homme, les mineurs ne doivent pas aller en prison. Donc, si on doit leur proposer quelque chose, c'est à l'extérieur de la prison. L'autre objectif, c'était qu'ils puissent pratiquer aussi après leur temps de détention. Donc, si on limitait la pratique de l'escrime dans l'espace carcéral, ils ne peuvent pas venir après le temps de détention. Quand j'étais en prison, on ne sortait pas. Tu restes toujours à passer. Si je sors et c'est en prison un jour, tout le monde me dit que je suis un bandit. Et tu travailles ton cerveau. Je devrais être un bandit ou bien non. Mais l'escrime te donne la liberté. La liberté. Parce qu'en sortant en dehors de la prison pour aller faire l'escrime, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Quand on sortait pour aller faire l'escrime, on disait qu'on part au Sénégal. Parce que la prison, c'est pas au Sénégal. C'est un enfer, on dirait. Ça change beaucoup de choses pour moi. Exemple, tu es en prison, 6 mois, tu ne parles pas avec un mec, mais maintenant, à cause de l'escrime, je parle avec tout le monde parce que je viens ici, je les parle, on fait des combats et tout. À cause de ça, ils sont devenus des amis. Au début, je me disais à chaque fois qu'ils pouvaient partir. Mais maintenant, il y a un climat de confiance qui s'est établi entre ces détenus et moi. À chaque fois, je les taquinais en leur disant « Mais les enfants, il ne faut pas partir. » Et ils répondent « Nous n'allons pas partir. » On lève la main quand on est touché. Cela veut dire que quand l'adversaire vous touche, vous levez la main. Et lui aussi, il doit faire la même chose. Ça éduque les enfants à accepter, quand on a fait des bêtises, à accepter de dire que j'ai commis une bêtise. Comme vous le savez, nous avons un agrément de la justice depuis 1994 qui nous permet de participer à l'audience des mineurs où nous avons une voix consultative. Mais nous avons remarqué que les mineurs qui pratiquent l'escrime devant la barre, ils ne varient pas à leur déclaration. Et les magistrats disent l'enfant qui ne varie pas à sa déclaration de l'enquête préliminaire jusqu'à l'audience, cet enfant-là est prêt à s'amender. Donc, pour vous dire que tous les enfants qui pratiquent l'escrime, et une fois qu'ils sont en audience, donc ils sont élargis, ils sont libérés. Mais il y a quelques manioc. Eh, on y va, c'est pas
tous non valables. Bon on leur apprend tout juste à prendre des décisions. Parce que ce sont des enfants qui n'osent pas prendre des décisions. Là, bon, on leur soumet à être responsables de leurs actes, à prendre des décisions, à juger. Bon, ça sollicite l'ouverture d'esprit, la communication et l'honnêteté. Attaque. Non, la part à riposte. Touché. Point. 2-1. Lui, il est devenu responsable à cause de l'escrime. Il a connu l'arbitrage de l'escrime très tôt. J'aimais beaucoup arbitrer parce que je me sens que là, je suis le responsable en fait de ce match. Je véhiculais des messages lorsque une personne parfois tombe, c'est à moi d'arrêter le match. Lorsqu'une personne est blessée, c'est à moi d'arrêter le match. En fait, c'est une responsabilité qui était lourde. En quelque sorte dans ma tête et que j'essaie à toujours de voir comment gérer le match et comment même organiser les tournois. Riposte, 12 points, encore. 1-1, en garde. Être arbitre, ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité. Ça veut dire qu'on vous fait confiance. On fait confiance à votre jugement. Halt, en garde. Et ça, c'est important. Parce que tout simplement, ça les permet de multiplier leur position. À l'instant, dans le sport, dans l'escrime, mais dans la société future. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas toujours à confronter à corps à corps ou vis-à-vis, mais ils seront appelés aussi à pouvoir trancher, prendre des décisions. Et la contre, l'attaque s'en passe. Et la contre, ça appuie pour moi. Touche, point. 2, 3, 1, garde. Prêt? Allez. Première position. 1, 1, 2, 3. Rangalma, sur la même ligne. Attends. Arrête. Bon, moi, je vais aller. Quoi, ça va, je vais aller. Non, pas à la salle d'angle. Nekal angar. Voilà. Ah. Prêt. Hey. Prêt la wax ñu yewit. Prêt ñu waré. Angar. Prêt. Allez, voilà. Voilà. Ko jo laal ga yëkëti salaxo. Ko jo laal ga yëkëti salaxo. Dans tout combat, il faut d'abord saluer l'adversaire. Ça fait partie des rites de l'escrime. Cela veut dire que même en jouant avec mon camarade, je ne dois pas avoir une haine contre lui, parce que c'est le jeu. À la fin aussi, on se serre la main. C'est un geste de fair play. Parce que c'est pas facile de jouer avec quelqu'un qui te donne beaucoup de coups, il te gagne, après tu lui serres la main. Ouais, c'est pas facile du tout. Ça aussi, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Parce que le détenu qui ne te respecte pas, il pense que c'est à cause de toi qu'il est là. Il a tendance à te regarder comme mon ennemi. Du coup, s'il pratique le tir, il saura que celui-là n'est pas mon ennemi. Mais c'est juste mon adversaire du jour. Je pense que se mettre le masque leur permet de laver leur honneur, d'oublier ce qu'ils avaient déjà commis comme bêtise et qui les a conduits en prison. En anthropologie, dans la tradition africaine, le port du masque a justement un symbolisme très très fort. Ils sont tous en blanc, ils portent tous des masques. Donc, il y a une certaine uniformité qui font qu'ils sont tous pareils, tous égaux. C'est des jeunes qui sont en pleine construction d'identité. Donc on a travaillé là-dessus, sur comment chacun peut construire individuellement son identité et n'a pas besoin du regard des autres. Et de ce point de vue-là, le masque est un élément fondamental. Et on s'est aperçu que mettre le masque,
ça permettait de redevenir ce que l'on est et de ne pas être seulement ce que l'on pense que l'autre souhaite que l'on soit. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu le masque et le début du combat, assez rapidement, je pense qu'ils ont oublié qu'il y avait filles et garçons, tout simplement parce qu'il y avait une formation qui ne faisait pas de différence. Les filles ont été prises en charge comme les garçons, avec les mêmes exercices, les mêmes exigences, etc. À partir de là, assez rapidement, ça s'est bien passé. Et t'es très fort ton escrime. Oui. Et on m'a dit que tu gagnais les garçons. Oui. Tu gagnes les garçons? Oui. Non. Si, je gagnais les garçons. Jouer avec une fille déjà, ça veut dire que cette fille-là, c'est un alter ego. Parce que si quelqu'un, tu es en duel avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez une certaine égalité de statut, de force, etc. Donc ça veut dire que cette personne-là peut vous défier et peut vous battre. Et que cette fille-là vous batte, ça vous aide à vous réinventer, mais aussi retrouver une identité. Parce qu'on apprend à respecter cette femme-là. Et si on commence par respecter cette femme-là, c'est peut-être qu'à travers elle aussi, vous respecterez toutes les autres filles et que vous apprendrez à respecter votre alter ego, quel qu'il soit. Et se donner à cette fille-là aussi une confiance en elle. Et le fait de donner à cette fille-là cette opportunité-là de confronter un garçon, c'est lui montrer que ce garçon-là, ce n'est pas un être super, il n'y a pas de supériorité, aussi bien au niveau des forces, au niveau des caractères, etc., etc. Grâce à l'escrime, on parle aux filles. Là-bas, c'est interdit. Il y a le quartier femmes, tu ne peux pas causer avec les filles. Donc là, à cause de l'escrime, on peut parler avec les filles, avec les garçons, avec Monsieur Nils, avec tout le monde. Des cas pour les femmes, c'est des cas d'infanticide. Et c'est des cas de, quand il y a infanticide, c'est parce que ce sont des grossesses non désirées. Le débat sur l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste a été relancé au Sénégal. Il s'agit aujourd'hui d'une question de santé publique. Le Code pénal du Sénégal adopte en 1962 une peine de prison pour les femmes ayant recours à l'avortement. La loi est confirmée en 2005. Les jeunes filles accouchent donc seules dans des conditions dramatiques qui entraînent le plus souvent la mort du nouveau-né. Elles sont accusées d'avortement clandestin ou d'infanticide, poursuivies aux assises et condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement. Il leur est rarement proposé les soins obstétriques nécessaires. L'association pour le sourire d'un enfant a construit un poste de santé dans le quartier à Blaïakine, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Thiès. C'est la couffeuse. Au Sénégal, couffeuse sénégalaise. C'est ça. Moi, je suis sage-femme. Il m'arrive de trouver des jeunes filles de 13 ans, 14 ans qui ont commencé à pratiquer l'acte sexuel depuis. Soit elles ont subi de la pédophilie à bas âge, sans le dire. Et puis, si elles trouvent quelqu'un qui est mal intentionné, qui leur donne de l'argent, elles peuvent faire ça elles peuvent s'habituer à l'argent facile. C'est très souvent ces genres de filles-là qui évoluent avec des grossesses précoces. Quand c'est une grossesse non désirée, des fois elles se cachent. Elles peuvent continuer la grossesse jusqu'à l'âge d'accouchement. Bon, elles peuvent fuguer à ce moment et accoucher ailleurs. Très souvent, c'est pas ces femmes-là, ces jeunes filles-là, elles n'accouchent pas au sein de la maison. Elles accouchent soit au bord de la mer, dans des cabanes et autres.
Il y a des gens qui les assistent à ce moment-là. Ou elles accouchent toutes seules. Elles peuvent accoucher toutes seules. Mais une femme, elle peut accoucher toute seule. Donc elle prend le bébé, elle le sort elle-même. Ah, il arrive, hein. Qu'est-ce qu'elle fait du bébé alors après avoir arrêté la grossesse ou accouché autre part que dans un centre de soins? Elle creuse, hein. Elle creuse pour enterrer l'enfant. Elle creuse ou bien elle trouve un sachet, un sac poubelle, de n'importe quel qui, pour envelopper l'enfant et puis s'en aller. Hein. Ces grossesses-là, c'est des jeunes filles qui sont à peine majeures, qui tombent enceintes. Elles sont souvent à l'école, avec toutes les conséquences qu'on sait, parce que même si la loi l'interdit au Sénégal, les filles sont systématiquement renvoyées quand elles tombent enceintes. Donc elles sont renvoyées de l'école. Oui. Elles ne peuvent plus rentrer dans leur famille. Exact. C'est ça? Elles sont... Elles ont un rejet de la famille, rejet de la société, une stigmatisation, une forte stigmatisation, et vont se retrouver... Rejetées par les croyances. Rejetées par les croyances. Et enfermées. Et enfermé. Donc là, on peut parler, c'est pas une double peine, c'est quatre fois la peine, en fait, c'est ça, on peut parler. Ouais, on peut, c'est plusieurs peines à la fois. Quelle que soit l'origine de cette grossesse précoce non désirée, la violence de la situation se traduisait chez elle par un abandon de leur corps. C'est-à-dire, elle le délaissait complètement, comme s'il y avait une dissociation entre leur esprit et leur corps. Et donc, l'important, c'est de réunir les deux pour qu'il y ait effectivement réparation. Et l'escrime, qui est exigeant, en fait, en termes physiques et de posture, l'habit, qui est l'habit blanc, et de nouveau le masque, leur ont permis progressivement, presque à leur insu, en fait, hein, de se réapproprier leur corps et de réconcilier leur esprit et leur corps. On avait espoir que, effectivement, comme ça avait été quelque chose de conçu avec des professionnels de l'escrime et des professionnels de la santé mentale, qu'il y ait un effet. Mais un effet à ce point-là, et surtout dans la durée. Et c'est-à-dire que les jeunes qui sont la première promotion, comme l'on dit, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué en 2012, aujourd'hui encore, si on les rencontre, ils expliquent que dans leur vie actuelle, ce qu'ils ont appris à travers l'escrime, c'est-à-dire vivre autrement, un certain nombre de valeurs qui leur donnent une autre place dans la société, eh bien, c'est aussi ce qui structure encore aujourd'hui leur vie. Donc ça, c'est un effet incroyable. Non. Voilà, il y avait des chèvres ici. Les années passées, c'est un garçon terrible. Terrible. Oui, les années passées. Mais à cause que vous, il est devenu un garçon normal, très sérieux, correct, respectueux. Donc, je te remercie mille fois, vraiment, merci. Mon père est très content. Il est très content aujourd'hui. Quand il est revenu à la prison, il sort à la maison, j'ai peur. Vous aviez peur? Peur. Pour qu'il fasse des bêtises. Ouais. Oui. J'ai peur, je ne peux pas dormir. Mais de temps en temps, il m'a dit, maman, si tu sommeilles, dors. Moi, je ne peux pas revenir arrière. Il partage. Lui, il partage tout ce qu'il a de lui. Il partage avec ses amis, les boubous, les chemises, les pantalons. Il partage tout. Il partage. Il est toujours partagé. Il a un joli cœur. Il a un joli cœur. Ah, il se bat. Ça, c'est moi. Ça va pas. Qui le dit? Ça va pas. Il a un joli cœur. Ta maman, elle dit que t'as un joli cœur. Hey!
t'es perdu, Nils? On est en train de chercher un enfant. Ça fait de la prison. Mais on ne sait pas où il faut aller. On va trouver, mais on est au milieu du Sénégal. Dans un endroit où on voit bien que c'est en train de devenir un désert. Il n'y a pas de GPS? Ça ne marche pas, de GPS. Voilà. Pesa mwana yo akolela atabilei ya pamba e. Pesa mwana yo akolela atalipa ya pamba e. Pesa mwana yo akolela atamayi ya pamba e. Tosalisana, 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 tosalisana. Pesa mwana yo akolela atalipa ya pamba e. Pesa mwana yo akolela ata elamba ya tombola. Tosalisana. Mais vraiment beaucoup de gens sont connus. Waouh, taï 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 taï, mon ami. Est-ce que tu as envie de me dire pourquoi et combien de temps tu as été à la Mac? Si tu veux pas, tu me dis pas. Il a été accusé. C'est pourquoi il a été accusé là. Accusé de vol. Non, il a été accusé de vol. D'accord. Non. Combien de temps t'as fait dans la prison? Ben une date à Atnafodef, ben ouvert, ben Atnyalet. Ben Nyalet, que 2 ans 2 mois. 2 ans 2 mois. Et quand t'es rentré dans la prison, t'avais quel âge? Ben bien du coup dernière date Atnyal. Oui, du coup 17 ans. 17 ans. D'accord. Et ça t'a fait quoi de rentrer en prison au début? Ben bien du coup c'est affaire météorologique. Voilà, yombona. Yombolkay. C'était difficile. Mais toi, Nakaï. C'était difficile. Les gens qui passent par le programme d'escrime à la MAC de Thiès, ils récidivent pas. Pourquoi tu penses que l'escrime les aide? Non, l'escrime, dès que à travers l'escrime, ça t'ouvre les yeux et ça t'ouvre l'esprit. Et à la sortie, tu sais déjà ce que tu dois faire après quoi. Au lieu d'y retourner. T'as joué avec des filles? Il dit qu'elle jouait oui, avec les filles. Et tu gagnais ou tu perdais? Des fois, il gagnait comme des fois aussi, les filles, il gagnait aussi. Quoi. Est-ce que votre fils, il a changé avec l'escrime? Il ne connaît pas trop ce que c'est que l'escrime. Mais il sait que bon, l'enfant réfléchit et pense beaucoup avant de faire quelque chose. Depuis sa sortie, pratiquement ses fréquentations, il les a tous abandonnés. Quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait, il revient. Donc il est confiant maintenant sur lui-même quoi. Vraiment ça l'a rendu fier quoi. Elle est toute vraiment contente. Elle, vous pouvez être fiers de votre fils tous les deux. Nena mon gen yakatimo. Kan mo. Waaw. Nena mon gen yakatimo. Ah mon mi. Waaw waaw. Wallahi. Wallahi. Bagasse le rec. Qu'est-ce que c'est le poulet Jacques? Ouais, c'est un cadeau. Qui t'a donné ça? C'est la maman Ibrahima. Merci madame. Bonjour. Merci à vous tous. Okay. Merci. Et bon. Ciao. Continuez de gagner. Parmi les plus de 400 mineurs maintenant qui ont pratiqué l'escrime selon cette méthode en milieu carcéral, eh bien aucun n'a récidivé. Donc voilà, un reviendra ou une reviendra inévitablement, mais en tous les cas, là, le résultat est au-delà de nos espérances, ça c'est clair. Pendant le tournage de ce documentaire, je faisais en même temps un film de fiction avec le chanteur Dadju qui était en concert à Dakar. Je lui ai proposé de venir voir l'association avec son équipe. Bonjour.
bonjour, enchanté. Enchanté. Vous allez bien? Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à nous. Merci. Les enfants sont ravis de vous accueillir. Tant mieux, tant mieux. Ils sont très, très heureux. Tant mieux. Vous voulez les saluer. Let's go. On a mis en Marché. Place une méthode particulière. L'escrime. Escrime et justice réparatrice. Marché. Pour, pour leur permettre de se reconstruire. Prangard. C'est Marché. Assez spectaculaire. Passe avant. Passe arrière. Marché. Allongé. Fonce. En garde. L'escrime en vrai. Ben voilà. C'est merveilleux. Toujours vu à la télé. Tu voudras venir jusqu'ici. C'est impressionnant quand même. Ouais. Avant, tous ces enfants allaient à la prison en fait. Okay. Et on a négocié avec les magistrats petit à petit qu'ils soient confiés ici plutôt que d'aller à la prison. D'accord. Ouais. L'impact que ça avait là-dessus. Vu les résultats. Et l'escrimeur du soir. Ah, yeah. Alors, celle-ci, je vais. Comme ça. Tu veux qu'on fasse un peu plus avancé. C'est quoi la règle? Il faut saluer d'abord votre adversaire. Si elle, juste. Hop, attaque là. Oui, attaque. Hop, attaque. C'est physique, bien sûr. Nadu, tu veux faire? Non, c'est bon. Merci, hein. Merci. Oui. Merci. Bien sûr. Je suis en sueur, laisse tomber. Sûr. Mais ça tue, hein. C'est pour ça qu'il en dit qu'il y a des choses qu'il faut voir, pour vivre. Parce que... Exactement, ouais. Là, là, parce que j'ai toujours vu de l'escrime, en fait, à la télé. Je même pas, tu vas voir des... Mais juste de le voir et même de voir ses enfants se donner là, à... Là, tu vas voir un point noir, là, où faites ça. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose d'incroyable. Avancez, reculez. Le fait qu'il y ait zéro récidiviste. C'est, mais c'est lourd, c'est, ça, zéro récidiviste. Franchement, c'est ouais, un chiffre ça, incroyable. C'est une grande chance. Conçu pour les mineurs en détention. Et puis on s'aperçoit que ça peut s'adresser à aussi d'autres enfants qui ont eu des petits accidents dans leur vie. Voilà, allez. Hey, wow. Quand on faisait d'autres sports avant l'escrime, ils avaient l'habitude de se battre, ou bien de montrer des trucs de force. Les leçons qu'on tire en escrime, c'est qu'on l'applique, on l'applique pas tout simplement sur l'escrime. On les applique aussi en dehors de l'escrime, sur la vie. Aussi, je remarque que aussi, il y a moins de vol. Il n'y a plus de vol. Je peux dire qu'il y a plus de vol. Et aussi, bon, ils veulent apprendre. Les enfants là veulent apprendre plus qu'avant. Ils veulent c'est, ils veulent apprendre. C'est comme une compétition. Ça a modifié leur tempérament dans un premier temps, leur attention et aussi la socialisation. C'est-à-dire bon, ils ont plus de responsabilités et ils vont apporter leur touche propre à la société. Cette magnifique méthode prouve que l'on peut juger un individu, avoir un avis sur lui, mais que cet individu peut changer profondément. La condamnation sans retour possible est clairement dangereuse. Ces ados ont prouvé qu'ils pouvaient évoluer intrinsèquement. C'est la beauté de l'homme. C'est
5 combats, 4 victoires et une seule défaite. Bravo. Qu'est-ce qui vous fait tenir depuis 30 ans? Parce que ça fait 30 ans quand même. Écoutez, je ne sais pas en fait, c'est naturel. Et je crois quand même que il y a des moments privilégiés, des moments de au cœur de l'homme, quoi, vraiment. Où on est à la rencontre de ce qui est intrinsèque chez l'homme, même si ce sont des jeunes. On est là, on touche du doigt la réalité humaine et le bonheur de la rencontre. Et ensuite, bon, ça peut paraître bateau ce que je veux dire, mais je sais pas, quand on sait d'où viennent ces enfants, comment ils arrivent, et qu'on les voit redevenir des enfants ou redevenir des jeunes, et puis pour les plus grands, de devenir des vraies mamans et des vrais papas. Je pense qu'inconsciemment, ça doit quand même ressourcer et régénérer les batteries. Ouais.